jacket on the back of the chair. It's like a moment frozen forever there. Mom and Dad had a lot of big plans for their little man. So proud. Mama's gone crazy cause her baby's cut down by some teenage cop chase. Wore out of bounds. It was the wrong place, wrong time, wrong end of a gun. Je sens mal, ça craint un max l'ambiance. C'est pire que le Bronx. Vous allez où comme ça avec votre cravate? Je suis le principal. Je m'appelle Gordon Brooks. Je suis votre nouveau principal. Il y a à peine 2 heures que je suis là et j'ai vu drogue,
Violence, prostitution et assez de graffiti pour remplir un livre. 50% des élèves abandonnent leurs études et les autres ne peuvent même pas espérer s'inscrire à la faculté. Il y a 3 jours, une de vos camarades, Janet Johnson, est morte, assassinée, juste devant cet établissement scolaire. Le ministère de l'Éducation a dit « ça suffit ». Et il m'a appelé. Nous aussi ? Jeunes gens, mes règles sont simples. En arrivant ici tous les matins, vous prendrez soin de saluer le drapeau américain. Et après, sachez qu'il ne sera plus question ni d'alcool, ni de tabac, ni de drogue. Ou je sévirai. Quand vous changerez de classe, faites-le sans bousculade. Ai-je été assez clair ? Vous avez compris la leçon ? Bien. Maintenant, les enfants, au travail. Je peux m'asseoir là? Ouais, vas-y. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai 2 mots à vous dire. À partir de demain, je vous demanderai de vous habiller correctement. Ah, mais faites-le faire! Ils vont l'écouter? Tu te rends compte, il va un peu loin. Et quand il y a un nouveau qui arrive, il faut toujours qu'il passe un discours. Les foulards, les articles en tout genre signifiant votre appartenance à la classe, seront prohibés dans leur statut. Je vous interdis également de venir au cours avec des vêtements provocants. Ni clous, ni chaînes sur vos vestes ou sur vos chinos, aucun objet métallique. Pas de blousons de cuir, pas de grosses chaînes autour du cou. Pas de chaussures à semelle d'acier. Pour les jeunes femmes, je souhaiterais les vêtements plus distingués. Il est vénusien à la vieille école. Je vous remercie par avance de votre coopération pour l'amélioration de votre environnement. J'ai dit pas de collier. Vous l'enlevez ou je vous aide. Alors, où allez-vous? En cours, mec. Vous êtes atteint de surdité? J'ai dit aucune couleur, donnez-moi vos bandanas. Plus vite! Excusez-moi, excusez-moi, poussez-vous! Wow. Il me semble que j'ai fait une réservation. Benny Brown. Attention, c'était une question à 10 points. On continue notre jeu sur Gatsby le Magnifique avec la question suivante. Où sont allés Tom et Nick quand Nick a rencontré la maîtresse de Tom? Yann? New York. C'est ça, bravo! Félicitations, tu as gagné 20 points. On continue le questionnaire. Qu'est-ce qu'ils rencontrent au cours de leur voyage? La lumière verte. Un panneau d'affichage. Excellente réponse, bien joué. Bon, c'était inscrit, Dr. Eckelberg, sur le panneau. Tu peux me dire ce qu'il y avait derrière? Il y avait une vallée. La vallée des cendres, c'est très bien, bon, bravo. Et maintenant, pour un bonus de 30 points. Question, allons-y, dites-moi ce que représente le symbole. Un soutif géant. Ça représente le désespoir des personnes riches. Oh, une nouvelle fille dans notre équipe. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? J'en sais rien du tout. Je pense que Tom et Daisy tirent leur pouvoir de leurs millions.
Ce qu'ils ignorent, c'est que leur vie est bâtie sur la consommation de biens matériels et l'utilisation des autres. Quand ils en ont terminé, ils jettent tout à la poubelle et ils referment leur couvercle. Tout à fait. Dites donc, elle est calée, la petite. Teddy, mais je n'ai pas encore posé de questions. Et je dois sortir, monsieur. Ah, ce sont des choses qui arrivent, mais il faut une autorisation. Est-ce qu'on va le laisser satisfaire ses besoins, alors, les autres? Oui. Non. Non. Ta gueule. T'es cool avec ton copain? Eh, le cours se termine dans un quart d'heure. C'est pas long, il n'a qu'à se retenir. Ah, c'est vrai, monsieur Brooks a instauré de nouvelles règles. Personne ne peut aller se soulager 10 minutes après le début du cours. Et c'est tout de suite que j'ai envie d'y aller. Bon, vas-y. Ouais. On continue, question suivante. Votre attention, s'il vous plaît. Le directeur offre une récompense de $1,000 à toute personne qui lui fournira des renseignements susceptibles d'entraîner l'arrestation du meurtrier de Jane Johnson. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de cette affaire. Janet était votre camarade de classe. Elle animait les slogans des supporters de vos équipes sportives. Je suis sûr que vous êtes prêt à coopérer. Tout le monde est à sa place. On y va. Hé. Oh. Parfait, les filles. Vous, c'est mademoiselle... Mademoiselle Jefferson. Vous faisiez ça au lycée Lincoln? Je m'en suis occupée, oui. Mais je me suis fait virer. Ils m'ont jeté 3 fois. Je faisais tomber mes pompons, ça l'affichait mal dans l'équipe. Mademoiselle Jackson, vous avez un moment, s'il vous plaît. J'en viens tout de suite, les filles. Excusez-moi. Qu'est-ce qui va encore, celui-là? Quel casse-pied. Et il nous fait suer. C'est compris, mademoiselle. On retourne dans la salle de gym. Pourquoi? On crève de chaud dans cette salle, on est mieux dehors. Je sais, oui. Alors pourquoi on nous oblige à rentrer? Parce que l'accès sur ce terrain n'est plus autorisé. Quoi? C'est ici que la voiture de Monsieur Brooks a été saccagée. D'après ce qu'il a dit, d'autres endroits sont maintenant interdits aux élèves. Allez, suivez-moi, les filles. Oh. C'est un sauna, là-bas. Il est givré, le pauvre vieux. Ça va, mon garçon? Allez, à l'infirmerie. Comment vous appelez-vous? Doug Wilson. Je vous veux dans mon bureau à 8h30 demain matin. Allez, monsieur, j'ai... Oui? Doug Wilson est arrivé. Envoyez-le-moi. Bonjour, Doug. Merci d'être passé. Asseyez-vous. Dites, je vais avoir des ennuis. Pourquoi cette question? Vous avez quelque chose à vous reprocher? J'en sais rien, je préfère rien dire. Et vous devez croire que les élèves qui viennent dans le bureau du principal ont tous un poids sur la conscience. En général, on n'y va pas pour rien. Quoi qu'il en soit, je vous ai appelé pour vous féliciter. Vous avez compris qu'il y avait des éléments perturbateurs chez nous. Ces élèves sont un obstacle pour leurs camarades qui veulent faire des études sérieuses. Excusez-moi, mais vous voulez parler de la bagarre? En intervenant l'autre jour, vous avez pris position et vous avez fait ce que beaucoup n'osent pas faire. Une équipe de sécurité s'impose pour limiter la violence. Vous embaucheriez des étudiants pour assurer la sécurité? Oui, des jeunes comme vous qui voudraient s'engager.
Vous ferez des rondes dans l'enceinte de l'établissement et vous me ferez votre rapport. C'est pas idiot. Intéressant. C'est même une bonne idée. Et vous pensez que ça marcherait? Je sais pas, monsieur. Vous allez enrôler qui pour faire régner l'ordre? Des élèves qui feront le serment de protéger leur bahut? Vous avez de l'ambition et vous voulez réussir vos études? Bien sûr, je veux avoir mes vous examens. Vous seriez surpris d'apprendre que de nombreux étudiants veulent exactement la même chose que vous. Même parmi les fortes têtes. Écoutez, Doug, je voudrais que vous dirigiez cette équipe. Vous me demandez d'être le chef de file de l'équipe de sécurité? Oui, exactement. Vous voulez que je supervise les autres? Si vos camarades étaient d'accord, vous accepteriez le job? Je sais pas quoi vous dire, monsieur Brooks. J'étais sûr que vous me comprendriez. Nous ferons du bon travail, monsieur Wilson. Nous avons un programme athlétique de grande qualité, mais vos résultats sont décevants. Beaucoup d'entre vous ont l'ambition d'exceller dans cette discipline pour devenir des sportifs professionnels. J'ai réfléchi et j'ai l'impression que vous perdez votre temps. On ne peut pas réussir en travaillant dans ces conditions. Je suis désolé, messieurs, je vais fermer le gymnase. Non, c'est pas possible. C'est injuste, mais il y a des éléments perturbateurs qui ne pensent pas aux autres. Il n'y a pas d'autre solution, monsieur Brooks? Faut les jeter, ceux qui gênent. C'est pas possible. Nous, on veut bien aider. Moi aussi. Il faudrait endiguer la violence pour limiter les dégâts. Si j'avais une équipe de volontaires, peut-être que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. Ouais. Je suis volontaire. Moi aussi. Allez, on y va. Lui, c'est Neil. C'était le petit ami de Janet. Salut, tu te sens comment aujourd'hui? Ah, ça peut aller. Oh, Neil, c'est Judy. Enchantée. Moi aussi. J'ai appris pour Janet, je suis vraiment désolée. Merci, Judy. C'est affreux, Janet s'est écroulée à ses pieds. Je m'excuse, Neil. Elle me manque à moi aussi. Tu sais, c'était une bonne copine. Lâche-moi. Tu dois aller en cours. Si tu veux, on se voit plus tard. Hey, coucou. Après qui tu cours, là? Neil, c'est pas un coup pour toi. Tu peux être plus clair? Ce mec-là, c'est les clients qui l'intéressent, pas les nanas. Oh, mais je suis peut-être un client, t'as pas une dose? Je suis pas dans ce genre d'affaires. Ouais, toi, ton business, c'est de déclencher les alarmes. Tu t'en es rendu compte? T'es œil de lynx. Oh, vous êtes pas censé traîner dans les couloirs, vous deux. Je suis pas là, en vérité. Je suis pas là. Fais pas le pit, tu connais très bien les règles. Ma salle de classe est ici. Si on veut étudier dans de bonnes conditions, on est obligé de respecter les lois de Brooks. Tu nous fais quoi, là? Je vous sanctionne. Vous prenez 2 heures de colle. Nick se noyait dans les soirées mondaines où s'exhibait tout le gratin. Une nuit, soudain, une image lui apparaît, celle du continent à l'époque des pionniers. Ces hommes et ces femmes étaient éblouis par la beauté de cette terre vierge et pourtant porteuse de tous les rêves de l'humanité. 350 ans plus tard, on considère qu'on aurait pu en faire un vrai paradis. Au lieu de cela, ils ont transformé l'Amérique en machine à détruire. La responsabilité incombe à ceux qui détenaient le pouvoir et l'argent. Est-ce que Fitzgerald considère que l'Amérique est un fiasco? Je vous en prie, ne vous interrompez pas pour moi. Bon. Fitzgerald est nostalgique d'un idéal de vie qu'on ne pourra jamais atteindre parce que l'homme est faillible. Il peut se tromper. Nick s'en est rendu compte et leurs erreurs lui ont brisé le cœur. Mais monsieur Bosley, il y a un truc que je saisis pas. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec nous? Je vais t'expliquer. Ces hommes avaient un idéal. On en a tous besoin. Est-ce que vous avez des buts dans la vie? Est-ce que vos rêves peuvent devenir réalité? J'en sais rien, moi. T'en sais rien. Je vais te dire pourquoi. Parce que nos ancêtres ont détruit le rêve américain et tout ce que ça comporte. Ils ont coupé les arbres à la base pour construire des hôtels particuliers. Et ils veulent faire de nous de bonnes maîtresses de maison. Bonne remarque. La rivière symboliserait le rêve. Si on construit un barrage en amont de cette rivière, les eaux montantes vont stagner. Considérons que le barrage soit le racisme. Qu'est-ce qui va stagner? La drogue. Les assassinats. La prostitution. Tout à fait. Et les eaux pourriront indéfiniment. Monsieur Bosley, je peux vous interrompre un moment?
Sortons dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais cours à mes élèves. Vous appelez ça enseigner ? Mais qu'est-ce qui vous déplaît ? Ma façon d'enseigner ou les bouquins que je choisis ? Gatsby, le magnifique... C'est un classique de la littérature américaine, si vous l'ignorez. Je le sais. Votre boulot n'est pas d'interpréter, c'est d'enseigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vous plais pas. Ces enfants n'ont pas besoin d'entendre qu'on a tué le rêve américain. Ces enfants ont besoin de faire vivre les rêves qui leur permettront d'échapper à leur sort. Il est dans les toilettes. Prends son pouls. Son cœur ne bat plus. Pauvre garçon. T'es bête, pourquoi tu t'es fourré dans cette équipe de sécurité? Tu veux faire sauter ta couverture? J'avais pas le choix, Brooks m'a étiqueté bon pour le service. Les dealers me fuient comme la peste. T'as qu'à laisser tomber. En plus, moi j'étais sur un coup quand tu m'as filé 2 heures de colle. De quoi tu te plains? Il y en a un dans chaque camp. Moi je suis avec les soldats et toi avec les losers. Les losers? Bah oui, les perdants, quoi. C'est comme ça qu'on vous appelle. Je me sens mal dans ce climat. Pourquoi? Parce qu'on rame sur l'enquête? C'est l'ensemble qui me gêne. Regarde un petit peu autour de toi. Brooks a remis cette école en état. Ça craignait un max quand on est arrivé. Il remonte le courant et c'est bien ce qu'il fait. Nous, on est là pour éviter que ça tourne au vinaigre et pour aider ces gosses à sortir de ce trou. Ton Brooks, c'est un facho. Bonjour. Voici le communiqué d'aujourd'hui. Monsieur Bascon, votre professeur d'anglais organise une vente de pain au chocolat afin de récolter des fonds pour subventionner des stages. Je vous encourage tous à participer à cette initiative. Il a été porté à ma connaissance que certains élèves fument dans la bibliothèque. Cet endroit est désormais interdit. Ah, un dernier point. Somebody put me together. Lycée de Belmont, toujours bon. Ici le clown de service, je vous cause dans le poste. Aujourd'hui le malheur vous a frappé, Sid est monté au ciel. Rappelez-vous toujours que Sid est mort à cause de vos péchés. Maintenant, la section artistique de notre lycée va vous interpréter Bye Bye Birdie. Pour faire la nique à la censure, on va lui balancer du rock plein les oreilles. Plus un geste. Le grand chef a une idée détonnante. Levez-vous maintenant. Vas-y, allez, allez. Bougez vos fesses, plus vite que ça. Le pied gauche en avant, le pied gauche en arrière. Allez, zou, on se dandine en cadence. Vous avez le rythme dans la peau. Hey, qu'est-ce que vous êtes, des moutons? Des vaches ou des cochons? Ah, il y a une visite médicale tout à l'heure. Les filles dans mon bureau en sous-vêtements. Les mecs, l'infirmière s'occupera de votre cas. Si vous croisez Monsieur Brooks, faites-le tousser un bon coup, histoire de vérifier si le moteur tourne bien. Ce serait dommage qu'il tombe en panne. Mes petits loups, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai du taf, alors à la prochaine. Ciao! Quand j'étais jeune, on allait à l'école pour étudier. On savait aussi s'amuser. Mais on découvrait aussi Roméo et Juliette, Einstein et Jules César. On ne venait pas mourir sur le carrelage glacé des toilettes. Il faut que ces horreurs cessent, et pour y arriver, j'irai jusqu'au bout! Nous savons tous que la drogue est responsable de la mort de Neil. Et nous connaissons très bien le nom des dealers de ce lycée. Il y a des preuves comme quoi on lui a vendu la cam? La preuve est dans son casier. Mais c'est privé. Non. C'est la propriété de l'école. Et il est temps de prendre des mesures, Doug. Vous devez sauver des vies. Arrêtez la machine avant qu'elle ne dévaste tout. Voilà. Pas question. Vous aggravez votre cas. Attends. Simmons, vous êtes renvoyé du lycée.
S'il vous plaît, en place pour prêter serment. Je jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique. Et à la République qu'il symbolise, une seule nation. Devant Dieu. Indivisible, face à la liberté et à la justice pour tous. Apparemment, il y a encore des élèves qui pensent pouvoir enfreindre mes lois. 4 étudiants ont été renvoyés hier pour avoir fumé dans des zones strictement interdites et avoir défié l'autorité du service de sécurité, ce qui porte à 72 le nombre des élèves qui ont perdu le privilège de suivre des cours dans cette école. À partir de maintenant, quiconque sera pris dans les couloirs sans laisser passer sera expulsé. Quiconque fumera dans l'enceinte de l'école sera expulsé. Et quiconque refusera d'obéir à un membre de l'équipe de sécurité sera expulsé. Je vous rappelle que dans le couloir, vous devez circuler du côté droit et en file indienne, et ce, à n'importe quelle heure. Je vous remercie par avance de votre coopération. J'enverrai pas cette purée n'importe où. Tiens, Miss Pompom en personne. Dire que Lurch savait pas qu'il allait prendre sa ration dans la poire. Je te remercierai jamais assez. J'étais à un poil de me faire virer de ce bahut. Et je t'en prie, assieds-toi à côté de moi, ma sauveuse. J'aurai mon bac grâce à toi. Oh, ça me fait un choc de te voir avec des pompoms, c'est pas ton style. En parlant de ça, j'ai entendu ce que tu disais à propos de Janet. Rends-toi à l'évidence. Quelle évidence, Janet était dealer. Cette école, c'est la tôle. Je pourrais pas tenir le coup si j'avais pas un petit stimulant chimique pour m'aider. Faut bien survivre dans cette jungle. Et c'est ce que pensaient Janet et ses clients. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Pourquoi, tu veux reprendre son marché? Non, elle a fini avec une balle entre les côtes. Non, ça me dit rien. C'est pas ce qui gêne son remplaçant. D'où tu le sors? C'était un petit trafic. En principe, elle risquait rien avec ce qu'elle vendait. Elle touchait pas à la grosse cam. Son business était pas dangereux. Alors pourquoi elle s'est fait descendre? Oh, simple curiosité. D'accord, j'avoue peut-être bien que je serais tentée par une petite dose. Arrête tes conneries ou tu finiras par crever et t'auras l'air d'une loque. T'auras le cerveau en gélatine, comme ça. En plus, j'ai beaucoup mieux à te proposer. Ah ouais? Ouais, tu veux voir la marchandise? Tu fiches un coup de barbouille sur le bord de la cuvette, mais pas trop, faut pas qu'on laisse la voie. Laisse tomber, c'est ridicule, on va se faire choper, c'est tout ce qu'on va gagner. Ces conseils de classe durent des siècles. Y'a pas de risque. Fais-moi confiance. Et puis imagine le gros cul de l'Unic avec notre signature. Benny, qu'est-ce que tu fous dans les chiottes des profs? Ouais, je sais ce que tu penses de ce que je suis en train de faire et tu te gourres. Parce que c'est pas ça du tout. Laisse-moi te donner une explication. Alors pour hier, c'est toi le responsable, ça me fout les boules. Moi, tout ce que j'espérais, c'était éclairer la nouvelle administration et leur faire don de mon sublime sens de l'humour. Et t'imagines la tronche de Monsieur Brooks, tu crois qu'il va crever de rire? Et toi, pourquoi t'es venue? Je sais pas comment te dire ça. C'est une chic fille, tu vas pas la balancer, t'es mon pote. Ça nous servira de leçon, on recommencera plus. C'est un avertissement. Sois pas chien! Dis, tu vas pas nous dénoncer? J'ai pas le choix, je dois faire mon devoir. Ce maniaque va nous écorcher vif et il exhibera notre scalp devant tout le monde. Il fera rien, je te défendrai. Je suis sûr et certain qu'il va nous jeter dehors. Beau, tu sais bien que je suis leur mascotte. Sans moi, il n'y aurait plus de rébellion. Mais faut pas me raconter ce baratin. Si on me fout à la porte, mon père fera une crise et il me battra à mort. C'est pas du baratin. Ça va pour ce coup-ci. Mais si je te recoince, c'est moi qui te piquerai ton scalp au bout du drapeau. Et recommence pas. Je te remercie, toi au moins t'es un copain, à vrai. On l'a échappé belle. Allez, au boulot. Dépêche-toi. Donne-moi la peinture. À demain. Méditez sur Gatsby. Salut. Douglas. Oui. J'ai remarqué que tu n'avais pas rendu tes devoirs ces derniers temps. Il y a quelque chose qui tourne pas rond?
Oh, rien, ça va seulement. J'étais occupé. Je vois. Une petite question. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu viens chercher dans cette école? Mais rien, je fais des études. Tu es de la police ou tu fais semblant? J'ai l'impression que tu n'es jamais disponible pour apprendre. Tu passes plus de temps à faire régner l'ordre qu'à te concentrer sur tes cours. Monsieur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je fais partie de l'équipe de sécurité. Ces élèves ont besoin d'être redressés. Non, ils sont là pour étudier. Monsieur Brooks ne facilite pas les choses. Apprendre n'est pas obligatoirement une corvée. Les élèves doivent s'amuser pour retenir. Tu n'es pas d'accord? Moi, je pense qu'il faut une certaine discipline et de la rigueur. On a besoin d'un système et d'un minimum de lois. Douglas, tu vois seulement ce que tu as envie de voir. Diriger une école avec une poigne de fer ne solutionne rien. Que quelqu'un prenne les choses en main, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il faut le suivre. Savez-vous ce qui est arrivé à M. Ludnick dans les toilettes des hommes hier? Oui, monsieur. Vous connaissez le criminel? Non, monsieur. Ne mentez pas. Vous êtes responsable de la patrouille dans ce secteur. On vous a entendu vous quereller avec Benny Brown. C'est lui le coupable? Oui, monsieur, c'est lui. Et vous l'avez laissé partir? Monsieur Brooks, c'est un ami à moi. Il a dit que son père le massacrerait si on le renvoyait de l'école. Et votre père, que dira-t-il quand je vous jetterai dehors? Pardon? Cette petite erreur de jugement va vous coûter cher, mon garçon. Je vous ai donné des consignes que vous n'avez pas respectées. Vous êtes renvoyé. Mais monsieur Brooks, il voulait seulement plaisanter. Ah oui? Et il a mis un enseignant dans une situation fort incommodante. Vous avez fait obstacle à mon autorité en couvrant un individu mal intentionné. Vous méritez une sanction. Videz votre casier et allez-vous-en. Votre ami Benny vous rejoindra bientôt. Je requiers toute l'attention des professeurs et des élèves. Je vous rappelle que tout refus à se soumettre au test de dépistage de drogue constitue un motif de renvoi. De plus, quiconque aura un retard ou ne rendra pas un devoir ou quiconque se montrera insolent envers un professeur sera passible de retenue. Trois retenues entraîneront obligatoirement l'expulsion. En ce qui concerne le corps enseignant, j'exige un rapport quotidien sur chaque classe, sur mon bureau à 16h. Je vous remercie par avance de votre coopération. Qu'est-ce que tu fais sous le bureau? Judy, je suis content de te voir. Je suis en train de dévisser le bureau de M. Slater. Quand il posera une feuille dessus, tout s'écroulera. J'aimerais bien voir sa tronche. Il va se payer une rage d'enfer. T'es kamikaze. La sécurité est à tes trousses, ils vont te réduire en chair à pâté. T'inquiète, Juliette. Regarde, j'ai des nerfs d'acier. Benny, tu sais qui a descendu Janet Johnson? T'es sûr que tu veux pas m'aider? Si ça te dit, il y a un tournevis en rab. Je voudrais connaître l'assassin de Janet. Pourquoi ça t'intéresse tant? Si tu refuses de m'aider, je te colle en tôle. T'es vraiment de la race de Brooks. T'es qu'un sale poulet. Non, Brooks est assoiffé de pouvoir et c'est pour ça qu'il persécute ses élèves. Moi, je suis payée pour arrêter ceux qui transgressent la loi. Et tu les balances au trou? Benny, elle est morte assassinée. Elle avait toute la vie devant elle. Moi, je veux coincer le salaud qui l'a tuée. Dis-moi qui a fait le coup. On l'a déjà jeté de l'école. Brooks l'a viré parce qu'il avait de la drogue. C'est Tracy Simmons. Tu te souviens, ils ont fouillé son casier. Il voulait éclater la cervelle de Neil. Il l'a manqué et c'est sa nana qui a morflé. Je te remercie, c'est cool de ta part. À tout à l'heure. Ouais. Tu tombes bien de chercher. Salut les mecs. Attendez, je vous explique. En réalité, c'est une longue histoire, mais... On passe pas. Arrêtez vos conneries. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Non, ne tenez pas. Thank you.
je réclame toute votre attention. Je vous informe qu'une réunion de tout le lycée, élèves et professeurs, aura lieu au début du troisième trimestre. Tout le monde devra être présent. Je répète, je veux tout le monde. Je me tape de ses soi-disant bonnes intentions. Monsieur Brooks a tort. Je t'accorde que de temps en temps, il pousse le bouchon un peu loin. Il leur fait faire des analyses d'urine, il fouille leur casier. Avant lui, c'était l'anarchie totale. Il a le droit de jouer les redresseurs de tort. Non, il y a une constitution aux États-Unis qui interdit ces excès. Ces jeunes doivent se rentrer dans le crâne qu'étudier est un privilège. S'ils jouent au mariole, ils le perdent. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit. C'est de cette façon que tu apprends à être citoyen et membre d'une société. Mais ils apprenaient rien dans ce lycée, avec désordre, insécurité, de quoi faire des criminels. Oui, mais si Brooks renvoie tous ceux qu'il a dans le nez, ces gosses finiront mal et tu les arrêteras. En tout cas, il n'y a plus de bastonnade depuis qu'on a changé le directeur. Ah oui? Dans tes rêves et la patrouille de sécurité alors? Ils ont battu Benny comme des brutes parce qu'il avait fait une farce à un prof. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Et comment va-t-il? Il s'en remettra. Brooks n'est pas responsable si les mecs de la sécurité sont... Ils en sont arrivés là parce qu'ils ont suivi ses ordres. Mais Brooks... Écoute, Pénol, ces sbires le suivent aveuglément, tu te rends pas compte. Il leur permet d'avoir recours à la violence s'ils veulent se défouler. Réveille-toi, Douglas. Il a l'air clean, mais il ne fait qu'étouffer le problème sans le régler. Ils deviennent quoi, ces jeunes, quand ils les jettent dehors? Ils traînent dans la rue et tournent mal. Ton ami Beau, qu'est-ce qu'il devient depuis que Brooks l'a expulsé du lycée, pour faire un exemple? Pourquoi tu traînes par ici? Je te cherche. Et tu veux te faire un trip avec nous? Non, je suis pas du voyage. Je veux te parler, viens. Pourquoi tu prends ça? Je m'offre des vacances, mon pote. Tu t'offres des vacances? Ouais. T'as un job? Je fais un petit trafic et j'ai mieux... Tu fais un petit trafic? Ouais. Tu veux déjà renoncer à tes études? C'est pas pour moi, j'étais nul de toute façon. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ils embauchent des ouvriers sur les docks. Je suis costaud, j'ai des muscles, je vais aller voir. Tu veux être docker? Une question, s'ils voulaient te reprendre à Belmont, est-ce que tu y retournerais? Non, t'oublies que le directeur m'a balancé. Laisse tomber ce détail. S'ils veulent te reprendre, c'est oui ou non? Mais je suis cool ici. Ah ouais, c'est génial, tu vas te défoncer tous les jours, et avec du bol, tu arriveras à la retraite avec le salaire d'un docker. Tu pourras arrondir tes fins de mois en vendant de la drogue. Super, l'avenir que tu te prépares. Tu parles d'une vie. Ce matin, j'ai rendu mon rapport à l'inspection académique. Je leur ai dit que nous avons fait de ce lycée une institution scolaire d'élite. En retournant au lycée, j'ai pu faire un triste constat. Un petit saligo a eu l'idée de peindre une croix gammée sur le mur du lycée. Maintenant, nous allons rester dans cette salle. Et on va attendre que l'étudiant qui a peint cette saloperie sur le mur du lycée se dénonce. Qu'est-ce qui vous prend de vous présenter devant moi à cette heure-ci? Je ne supporte pas le manque de ponctualité. Vous, je vous avais renvoyé. Il a envie de reprendre les cours. Je m'en fous éperdument. Il n'a pas respecté ma loi. Je n'en veux plus ici. Vous ne les aidez pas en les abandonnant malgré eux à leur triste sort. Il est dans son droit. Et il mérite une bonne éducation. Tout autant que ceux que vous avez virés à outrance. C'est peut-être vous qui avez peint la croix gammée. Monsieur Brooks! Ce n'est plus la peine de chercher votre coupable. Vous l'avez trouvé. C'est moi. C'est vous? Vous avez perdu la tête? Non, j'avais perdu l'esprit en vous laissant faire de ce lycée un état policier. Vous avez oublié à quoi il ressemblait avant que je mette les pieds ici? J'y étais avant vous.
J'ai donné des cours à tous ces criminels. Au moins, ils ont appris avec moi. À voler, à se battre, à se piquer et même à tuer. Ils ont pu rêver grâce à moi. Vous, vous ne leur avez apporté que la crainte de la loi en instaurant des dépistages de drogue. Vous leur avez ôté toute chance de réussite dans la vie. Je suis le principal, ils doivent obéir et se taire. Eh bien, pas moi. Votre intolérance est sans borne. J'ai peint votre représentation sur ce mur. Croyez que quelqu'un va suivre un trouillard qui fait des graffitis en pleine nuit? Je l'espère. J'espère que tout le monde entendra cet appel. L'inspection académique, le maire, les professeurs et les élèves. Vous êtes notre déshonneur. Je suis trop sensible, monsieur Bostès. Si vous élevez la voix, je vais me mettre à pleurer. Je vais faire une crise de nerfs. Vous êtes beaucoup trop dur pour moi. J'ai envie de rester à mon bureau, à lire de la poésie toute la journée. Votre problème, monsieur Bosley, vous n'avez aucune volonté. Vous êtes un lâche. J'ai honte de votre faiblesse. C'est vrai. Vous craignez tant votre propre faiblesse que vous terrorisez votre entourage et vous avez besoin de dominer les autres. Rappelez-vous, le rêve est une rivière, monsieur Brooks. Et vous endiguez ses eaux en les empêchant de couler. Un jour, vous vous rendrez compte que ceux qui vous entourent finiront par se dessécher. Maintenant que vous avez terminé, vous êtes viré. Non, vous êtes dans mon école. Et vous n'y exercerez plus votre despotisme. J'ai dit, vous êtes viré. Tony, Alvin, sentez-moi ce clown. J'ai dit, sortez-moi ce clown. Foutez-le à la porte. Vous allez vous déplacer, oui. Foutez-le à la porte, je ne le répéterai pas. Hé, hey, Brooks. On commence à en avoir ras-le-bol de ta dictature. C'est pas un que tu vas devoir virer, mais nous tous, parce qu'on... se met en grève. Ouais, t'as bien entendu, on se fout tous contre toi, Brooks. On va s'unir pour mettre fin à ton règne. Abat le régime totalitaire. On ne regagnera l'école que lorsque l'inspection académique t'aura viré. Sans nous, tu n'es plus rien. Mais où allez-vous? Revenez! À vos places! Je vais vous rendre votre devoir sur Gatsby le Magnifique. Apparemment, vous avez bien étudié la question. On a de vrais étudiants dans cette classe. Je tiens tout particulièrement à féliciter mon copain Beau. Il a obtenu un B. T'as bien assuré, j'en veux encore beaucoup, des comme ça. Allez tous sans cœur. Si tu continues sur ta lancée la prochaine fois, je ferai un plaisir de te mettre un A. Oh, vous ne l'avez pas senti? Ça fait tout drôle. Le souffle de la poésie vient de me frôler. Moi, j'ai rien senti du tout. Moi non plus. Ah, vous n'aimez pas la poésie? Vous vivez avec elle. Écoutez un peu ça. Votre quotidien, c'est de la poésie. Si Shakespeare s'en est servi, vous le pouvez aussi. Grandir dans le ghetto, c'est pas un cadeau. Tu dois te défoncer pour y arriver. Sinon, ton dirlo va te... virer. Ouais, t'es un grand. Ça me rappelle un poème de T.S. Eliot. Le chant d'amour de G. Alfred Prufrock. Laisse-nous prendre la route ensemble, quand la nuit est si proche de la terre qu'elle en tremble. Nous traverserons les landes inondées de bruyère, et dans tes yeux naîtra un éclat de lumière.